Et détruit l'objet qui est indiqué par la flèche. Ah ok, d'accord. Oui, je... Ok. D'accord, donc en gros, c'est... il détruit l'objet qui est juste au-dessus. Très bien. Bah écoutez, je crois que j'ai détruit un objet bien en plus. Je suis un connard. Je crois que je suis un connard. Donc 3, c'était trop cher. Vous savez quoi ça? On veut s'en débarrasser vite. On va le mettre très cher là. On veut s'en débarrasser très très vite. Ça, on avait mis à 3, c'était parti. On verra, vas-y. On va ouvrir la boutique et on y va. Il faut qu'on arrive à gérer la vente là. C'est un roguelike quoi. Ouais, c'est un roguelike. Mais c'est vraiment cool. Parfait, donc là c'était apparemment une offre en or, donc y'a pas de soucis, y'a pas de soucis gros. C'est un RPG normal, c'est un RPG normal. Ok, on vend tout là. Hein. Alors là on les met bien, y'a pas de soucis. Allez, on accepte, c'est bon, c'est là, vendre. C'est bon, je vends. Voilà. Pas de soucis, on vend. Et là on va placer les objets. Oh merde, 200 c'était pas assez cher pour les runes en or. Fais chier. Vas-y, je vends. Oh, je suis un connard. Les runes en or c'était pas assez cher du coup. Après c'est un prix en or mais je vais mettre à 250. Je pense que 250 ça doit être pas mal. Après le problème c'est qu'il y en avait qu'une. Si j'en mets 5, est-ce que c'est vraiment ouf? Donc l'énergie cristallisée on sait que c'est 100, y a pas de souci. Et lampe à eau, j'aimerais bien voir. Ça doit avoir une utilité, je vais la mettre à 150. 70. 180, allez c'est le grid. Les objets que j'ai pas encore vendus, donc les lentilles en verre, ça j'ai déjà vendu, c'était parti assez cher, donc je vais regarder un peu. Parti à combien déjà? Lentilles en verre. Pas dans les objets. Lentilles en verre c'était parti. 100 c'était bien, vas-y, on va laisser ça comme ça. On va laisser ça comme ça, c'est parfait. Tu peux faire le ménage dans ta boutique. Ah c'est ça en fait que je vais faire. Non je peux pas. On sait que c'était bien, il n'y a pas de souci. Non, je peux pas passer le ménage, je peux pas faire le ménage là. Je vais peut-être le faire après. J'ai mis les trucs d'or à 200. Après, c'est vrai que ouais, j'ai mis les trucs d'or à 200. Je vais mettre à 250. Parfait. On va placer des petits objets. Oh là, on est en train de vendre, mais c'est... ça part comme des petits pains. Hein. On va en tenter à 300. On va en tenter à 300. Les racines, on sait que ça se vend pas très cher, mais il faut s'en débarrasser. Donc, dans tous les cas, on s'en fout. On va le mettre à 3. Le tissu on ne sait pas encore. Le tissu on ne sait pas encore. Ah merde, attends. Lentilles en verre ça se vendait bien. Donc je vais laisser ça là. Surtout que c'est rare. C'est fine. Là regardez comme on est en vendeur de fou là. Oh ça bosse hein. Le papy il est après en dernier. Il est passé devant tout le monde hein. Ah ouais ils ont pas de respect les papys hein. Parfait. Oh là 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 là. Comment on gère ça? La barre en fer. La barre en fer c'était pas très cher de moi. Non, ok, je vais mettre le tissu. En gros, je vais mettre le tissu là. Si on sait pas encore, donc je vais en mettre à 100 pour tester. Je vais regarder un peu mes objets. Le simulant, c'est pas fort. Lampe à eau. À 180, c'était pas assez cher la lampe à eau. Voilà qu'on sache le reste. Rune en or, 250, c'était bien du coup. Métal renforcé, 80, c'était pas assez cher. Et le métal normal. Faut que je sache, métal normal. Noyau de golem, c'était trop cher à 130. Donc là pour l'instant, on a les trucs, des prix qui peuvent. Barre en fer, 30 c'était ok. 40, je pense que ça part. Je pense que 40 ça part du coup. En gros, 30 c'est le prix optimal, mais on peut gratter un petit 10 dessus. Attends, le tissu, vous êtes sérieux là? Attends, mais me donnez pas de conseils pour le tissu là. Du coup, maintenant je vais essayer de le mettre plus cher parce que vous me conseillez, mais dites rien, je tente des trucs. Oh, c'est... Ah oui, d'accord. À 250, t'as le pan. 250, c'est bien. J'ai failli le mettre à 100 quand même. Hein. Merci le chat quand même, mais non, vous êtes pas censé m'aider. Là, on est riche comme Crésus. J'allais le mettre à 100, à 250, c'est parti normal. Dans le pire, c'était de la merde. Dans le pire, c'était vraiment de la merde. Mettre à 4. Pas pareil, le lire, c'était de la merde aussi. Mettre à 3. Mais c'était pas très populaire, donc je vais laisser le truc à 3, c'était pas ouf. Ah, c'est un peu trop cher, ouais. J'ai mis à 40, c'est du grid. Faut que je mette à 35. 35, ça passe, je pense. Comme je suis en train de gratter, je suis en train de gratter 15 là. Hein. Je suis en train de gratter 15 alors que chèque à 30, ça part. Hein. Ah, trop cher. Ouais, le truc, j'ai mis trop cher. Non, vas-y, c'est bon. Hein. Je le remets à 30, c'était bien 30. Hein. 30, c'était parti. On va mettre un objet. Matraque brisée.
Je vais garder ça, on sait jamais, ça peut peut-être servir. Cristal stimulant, je pense que ça c'est assez rare. Donc je vais mettre ça à genre 200, vous savez quoi. Allez, vous savez quoi, on va tenter un 300, il vaut mieux le mettre trop cher que pas assez cher. Oula. Il était énervé carrément. Il y a un mec, il était énervé d'acheter. Enfin, il a vu le prix, il était énervé. C'est grave, hein. Pas de petites économies, exactement. Voilà, 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 ça part. On vend bien, on vend bien. Là, notre sac, il est en train de partir comme il le faut. Et comme ça, la nuit prochaine, on pourra aller dans le donjon et continuer d'avancer. Ça. Ah, trop cher, ok. Intéressant. Je ne sais pas du tout c'est combien, tu vois. Je tente à 200. Par contre, c'est parti, mais genre... Vraiment, là, on a réussi à tout vendre. On a réussi à tout vendre, c'est beau. C'est beau. Enfin, quasiment, quasiment tout vendre. Mais là, honnêtement, on est sur une bonne journée, regardez. Les runes d'or, c'est OP. J'ai gagné 4600. Ok. Là. Donc... Je peux faire le balai, genre. Et je peux stocker des trucs dans mon coffre, si jamais. Ok, donc j'ai plusieurs coffres, si jamais je suis trop full. Dans mes items, j'ai plusieurs coffres. Donc j'aimerais bien aller acheter des potions, là. Ce qui serait bien, ce serait d'aller acheter des potions. Ça me mettrait bien. Investissement, fil, magasin. Dans le magasin. Ah oui, je peux investir dans le magasin aussi. Donc une boîte promo pas chère. Donc les objets vendus dans cette boîte promo auront une réduction de 75%. Cette caisse enregistreuse va donner envie aux clients d'ajouter un pourboire. Oh, d'accord. Un lit confortable qui offrait un bonus de vie à l'aventurier chaque matin. Ah, c'est pas mal. Espace objet pour tes objets, donc ça je m'en fous. Et après tu peux améliorer. Une fois que t'as assez de thunes, tu peux améliorer ton magasin en le faisant passer niveau 2, 3, 4, etc. Donc en gros, t'as les donjons, qui est la partie principale où tu farmes tes trucs. Et t'as le magasin, qui est la partie un peu économique. Je trouve ça vraiment cool. Donc dites-moi ce que vous pensez du jeu pour l'instant. Moi je trouve ça vraiment, vraiment lourd pour l'instant. Donc je vais mettre fort, je sais pas quoi. Allez. Je vais aller mettre des trucs dans la ville. J'ai investi pour créer des trucs dans la ville. Donc lui il va créer sa petite forge, etc. Et il va me donner des. Il va me créer des armes ensuite. Et je vais mettre des trucs, en gros faut que j'installe ça. Oh là là, c'est lourd. Non, vraiment le jeu est bien. Le jeu est vraiment vraiment bien. Je sais pas si c'est aussi bien à regarder qu'à faire, mais à faire c'est vraiment cool. Donc je vais mettre ça. Une meuf qui vend des potions, c'est parfait parce que j'ai besoin de potions. Faut vraiment que j'achète des potions là. Et pour l'instant, j'ai même pas encore fini un donjon, sachant qu'il y en a 5 et j'ai pas encore été au troisième étage du premier donjon. Sachant qu'il y en a 4. Donc ouais, c'est chaud. Chapeau de bois. Ok, bon bah écoutez, allons-y. Parlez. Allez, fais-moi des potions, toi. Non, chapeau de bois pour toute potion. Potion. Ça, ça me donne combien? 40, 75. Ça coûte combien? 750 la potion. Oh. Ah ouais. 750 la potion. Mais non. Et il me faut en plus des objets. Donc en gros j'ai des trucs. Ils me font faire des objets. Vas-y, c'est pas grave, j'en fais. J'ai pas assez de gelée veineuse. Donc en gros il me manque une gelée du bas. Pour celle-ci je peux. Donc ça c'est 40. En gros ça je peux la faire sans la gelée, mais ça me coûtera 379. Et ça je peux en faire avec les gelées, donc je peux en faire plusieurs. Donc je vais en faire plein. Oui. Du coup ça me coûte de l'argent. Mais je vais en prendre plein, ça c'est utile. Je pense que ça me sera toujours utile. Et vu que j'ai des gelées, autant les faire maintenant. Et j'en redropperai des gelées, donc c'est ok. Ah mais ça coûte 2000, ah ouais. Ça c'est les potions de very late game, tu vois. Parce qu'à la fin, j'imagine que tu augmentes tes statistiques, donc en termes de points de vie, etc. C'est plutôt pas mal. Et je vais voir les enchantements. Enchantement. J'ai pas assez de cristal stimulant. J'en ai 0. Ah mais j'ai mis en vente. Faut que j'aille le récupérer, le cristal stimulant, vite. C'est bon, je m'en fous de ce que tu me racontes. Les trucs me servent. Et après j'irai voir. Redonne-moi ça. Hop. Ok. Attends. Voilà. Donc là on est bien. Ah ouais, non mais du coup t'as un potentiel d'avancée qui est pas mal. Maître forgeron. Attends. Là j'ai 0, j'ai 0. Ah oui, d'accord, donc il y a des objets que je dois garder. Là ça me donne de la vie. Donc par exemple, ça c'est un truc qui me donne de la vie. Ça c'est un truc qui me donne de la vie aussi. Donc épée bouclier, donc ça je peux améliorer. Là il me manque des objets. Ah, c'est à dire qu'il y aura des objets que je ne devrais pas vendre. Et regardez, en monte, tu commences à avoir des épées de fou, genre. Regardez, là on est sur des épées. À la fin, tu dois faire trop mal. Donc là je peux faire une lance aussi. Je peux faire des gants. Donc tu choisis un peu ton type d'arme. Tu peux partir sur des arcs.
Pas mal, hein. Ah non, ça m'a l'air d'être assez complet. Genre, et là encore, j'ai pas tout débloqué. Là, j'ai juste débloqué. Comment ça s'appelle? Donc, le vendeur. Enfin, la forge et le magasin de potions. Après, il me faudra le vendeur. Donc, le vendeur qui pourra me permettre d'acheter des ingrédients pour fabriquer mes armes ou fabriquer mes potions. Et après, il y a la banque où je place de l'argent et basta, et tu snowball, quoi. Je pense que honnêtement, je vais en faire une bonne partie. Je vais essayer d'avancer le plus possible et vous montrer un peu le jeu lorsqu'il sera bien avancé. Donc, je vais garder un peu tous mes objets. Là, je pense que je peux aller au donjon. Le problème, c'est que j'ai pas encore avancé mes stats là. Regarde, j'ai fait quoi? J'ai fait quoi? Hyper rapidement. Ah, ok, donc j'ai déjà équipé, d'accord. Ok, donc ça, c'est de la gelée qui me permet de faire des potions ensuite. Liste de souhaits. Là, t'as un petit calendrier. Ok, bon, bah écoutez, on part dans le donjon. Donc tu peux mettre en favori les objets que tu veux, comme ça les objets en donjon ont une étoile. Ok. De toute façon, faudrait que je vois déjà ce que je veux créer. Donc je regarderai après. Je vais faire une petite session dans le donjon où j'essaie de pas trop de choc. Surtout que là j'ai 10 potions donc j'espère aller loin. Je vais essayer d'aller au moins jusqu'au niveau 3, peut-être même niveau 4 si je choque pas trop. Pour l'instant, je pense que j'ai pas le level pour aller jusqu'au niveau 4. Et tu vois, à chaque fois les donjons changent jusqu'à ce que tu le finisses, j'imagine. Donc là en gros, on a le soin, très bien. Le kill. Il va se tourner. Le coffre s'est ouvert, parfait. Il y avait quoi dedans? Merde. Pas dans le coffre. Tissu, ah, oh, du tissu, c'est parfait. Tissu et une épée brisée. L'épée brisée me servira peut-être à faire une arme ou quoi, on verra. Des branches qui me serviront toujours à faire un peu de thune, même si c'est 5-6, c'est toujours ça de prix. Oh, il a une couleur différente lui. Donc là c'est le passage pour aller jusqu'au niveau 2. Est-ce que je prends direct le passage pour aller jusqu'au niveau 2 ou je continue de fouiller un peu? J'aimerais bien fouiller un peu le donjon avant et me soigner avant même. Chaque point de vie est primordial, donc autant les soigner, autant finir de fouiller le donjon. Ça on est bien. Ok, donc en haut j'ai pas été encore. J'ai fait 50% du donjon pour l'instant. Je vais faire tout le monde, en plus il y avait un coffre, c'est parfait. J'ai un troller aussi. J'ai des lentilles, nickel, lentilles ça se vendait bien. Ok, parfait. C'est brisé, l'objet doit être placé à la gauche ou à la droite du sac. Ah ouais? Ah, je peux pas mettre ça avec. Ah, je peux pas, c'est limité. Ah, oh, c'est limité aussi. En fait, t'as des objets qui sont obligés d'être placés, donc doit être placé en haut ou dans le fond du sac, en haut ou dans le fond du sac. Donc là, c'est bon. Donc si tu peux le ramener, en gros, il y a des objets que tu dois ramener différemment, tiens. Tu vas me dire quoi? Donc, j'ai été attaqué par une roche mobile aujourd'hui. Vous y croyez? De la pierre qui bouge. J'ai fait comme n'importe qui dans une autre, dans telle situation. J'ai rendu coup pour coup et elle s'est ensuite éclatée sur le sol, laissant un cœur de pierre, un noyau, comme j'ai décidé de l'appeler. C'est un des nombreux trésors de ce donjon. Trouvé sur un garde unique à ce donjon. Chaque donjon a son propre environnement, une culture propre. Et du coup, bah, faut que je trouve ce mob qui va me laisser. Il devrait être par là, quoi. La gelée, faut que je fasse gaffe à chaque fois. Chaque fois, ça me tilt de ouf, hein. Putain, what the fuck? Il fait tilt de ouf. Les gelées, j'ai du mal, hein. Après, les gelées, c'est posé, j'imagine, être dur parce que. Ce qui te permet derrière de faire tes potions et les potions c'est broken, c'est ce qui te permet d'aller plus loin. Donc, je vais en prendre une là, ça me donne 40. Ce sale rat! Là ça va. À moins qu'il soit allé plus loin dans le donjon le mec. Ouais, je fais 100%, on est d'accord. 100% exploité, très bien. Ouais, c'est parti. Ah non, mais il manque un chemin en bas là. Non, non, il manque un chemin, c'est un menteur. C'est un menteur! Un chemin en bas. Comme c'est la sortie. Non, c'est pas sorti en plus. Quoi? Pas du tout fait 100%. Oui, mais 100% alors que j'ai pas fait 100%. Et quoi cette fourberie là? Ah, t'as des objets qui partent dans le néant aussi. Est-ce que j'ai des objets que je peux pas jeter? Genre des objets qui vont me servir à rien. Ça, c'est l'entrée et à gauche, j'ai pas été. Ah, il faut ça.
Bientôt full. Ah! Un mob de boss. Un boss de donjon, j'imagine. Bah, du coup, t'as un boss à chaque étage ou pas? Même pas, t'aimes pas de boss là? Oh, j'étais dans un autre univers tout à l'heure et là, je suis dans un truc totalement différent. Je peux pas ouvrir mon sac, faut que je tue les mobs avant. Attends, mais les mobs sont chauds là. Ok, il commence à devenir chiant à tuer, très bien. Donc je vais jeter les branches, ça on s'en fout. Comment je fais pour jeter ça? Comment je fais pour jeter? Prendre la pile. Comment je fais pour jeter? De ça on s'en fout. Non, on est d'accord qu'on s'en branle. Ah, voilà. Ah, dans le miroir, c'est vrai. Je peux me mettre dans le miroir pour ça, ça me fait de la thune, c'est vrai. On s'en fout aussi. On rappelle. Là, pareil, on s'en branle. Le tissu, on garde parce que c'est important. Ça, ça se vendait bien, donc ça, on garde. Le cristal stimulant, c'est utile. Ça, ça peut être utile. Chair de plante, j'en sais rien. Donc là, jusque-là, je vais quand même jeter une épée brisée parce que j'en ai beaucoup. Et le reste, on va essayer de se balader un peu. C'est vrai que la gestion de l'inventaire aussi est terrible, hein. Là, je suis où là? Ah, j'ai l'impression d'être bourré, genre. Je vais faire de la vie là, non? Pas de la vie. Ok. En fait, je découvre des trucs au fur et à mesure, ça qui est cool. Les livres se vendent assez cher, ok. Non, c'est bon. Ok, donc là, le niveau a été à peu près géré. Le seul problème, c'est que là, je suis full de trucs de merde. Barre de fer, c'était pas ouf. Barre de fer, je sais que ça se vendait pas de fou. Genre, c'était genre 20-30, c'était pas malade. J'ai fait des thunes comme ça. Ok, go. Le jeu ne me sert pas trop vite, du coup. J'ai l'impression qu'il est long. Hein. Honnêtement, j'ai l'impression qu'il est long. Le truc, c'est que si je vais jusqu'au niveau 2 et que. Et qu'ensuite j'ai d'autres items, etc. Je vais être full. Donc il faut vraiment que j'augmente ma capacité de sac très vite. Je pense que ça va être une. Ça va être important. Ah oui, c'est vrai que c'est... ça peut être du compo de farm. Exact. Merde, tant pis. C'est vrai que ça peut être du compo de farm. J'ai oublié ça. J'avais oublié ce détail là. En fait, faut que je me rappelle. Que j'ai exactement. Ah, bien. Difficile de mettre la main sur des outils runiques et des ciseaux. L'ancien propriétaire de Numaker m'a dit qu'on ne pouvait trouver ces artefacts que dans des coffres dorés. Ah, t'as des coffres rares et tout. Ah, ouais, d'accord. Regarde. Donc, ça, faut le mettre en haut du coup. Hein. Effet malus d'un objet adjacent bloqué. Mettre un truc de merde en haut. Le truc, c'est que les trucs de merde, je vais les jeter en fait. Organiser son sac et tout à chaque fois. Ok, parfait. Ça c'était pas mal. Oh. Métal renforcé, ça devient super cher. Pareil pour les runes en or. Ah, c'est chiant, les runes en or ça devient super cher. Ah, mais ça a déjà mis, ça a déjà mis le truc. Ça a mis le malus instant. The fuck. Ça c'était pas mal. Le truc c'est que la meule je sais pas encore. Donc je vais mettre ça là. Alors. Oh puis pour l'autre épée. Ah oh, mais putain de merde. Ça me fait tilt. Ça me fait tilt, je peux pas tout prendre. Ah ça me fait trop tilt, c'est horrible. Parce que t'as plein d'objets que t'as envie de prendre et que tu peux pas prendre. Faudra que j'entre en ville soon, je vais essayer de finir au moins cet étage là encore. Et ensuite, je partirai ça on s'en fout, c'est des trucs de merde. Oh ça me fait trop tilt. Donc là c'est le donjon niveau 3. J'ai essayé de finir ça. Je vais finir au moins les stages 2. Et ensuite si j'ai des objets rares, on sait jamais. Imaginons il y a des objets rares dans cet étage là. Et ensuite on verra, on retournera en ville, on vendra tout et on essaiera d'augmenter le sac. Ok ça c'est pas mal, là j'ai pu tout prendre ce qu'on fait.
Et ça c'était pas mal. Merde. Ah, j'ai focus là cette fois, merde. Oula, j'ai trop. J'ai utilisé une potion pour rien. Je pense que j'en ai pas besoin d'utiliser la potion. En vrai, la potion, faut que tu utilises seulement quand c'est chaud, quoi. Bon, le taper dans le dos, quoi. Non, c'est qu'il me court dessus comme un connard. Je troll un peu là. C'était pas ouf. C'est le temps de s'habituer au jeu un peu. Hein. Bah rien drop. Drop ça aussi. Aïe aïe aïe. J'ai pas bon pour rien. Ah c'est qui? Ok, il me suit. Je le tue vite fait. Hop. Les lentilles c'était pas mal. Oh putain, mais cher quand même. J'attends qu'il se tourne vers moi. Ok. Oh, je fais chier. Ok, donc le reste on s'en fout. C'est pas fameux là. Pense au shield. C'est vrai, le shield j'y pense très peu. Exact. Vas-y plutôt avec une valise qu'un sac à dos. Ouais, mais. C'est compliqué là ce que tu me dis. Mais... La fontaine pour se régénérer, tranquille. Donc je viens d'à gauche. Je vais du coup aller en bas. Ah merde. De la fontaine, j'ai voulu trop rush. Ça c'est important, ça les gelées c'est super important là-dessus. Le truc c'est qu'ils m'ont rien drop là, les bâtards. Rien drop, rien du tout. Oh, un bouquin, ok. Ah, ça a l'air pas mal ça. T'enchaîne 3 coups, ça te met bien. Ah, ça c'est un objet que j'ai jamais eu. Les pétales, je pense que c'est de la merde. Honnêtement, j'ai pas envie de tenter les pétales, tu vois, mais t'as l'air d'être un peu de la merde, tu vois. Genre rien que par le nom, ça me semblait pas être fou les pétales, donc j'ai vendu les pétales direct, on verra la suite. Et par contre, le hit s'utilise combien de fois? Une seule fois. Une seule fois par donjon. Je rentre pas encore, je finis déjà de faire le donjon, déjà la partie, et je finirai pas l'étage maintenant. Je finis juste de taper des mobs si jamais c'est des objets que j'ai jamais eu, tu vois. Tu vois, là par exemple, je peux stacker des petites lentilles, tu vois, c'est toujours de la thune de prix, hein, faut pas croire. Oh là, ça va être chaud là. Peut-être du nitix que je viens de faire. Non. C'est cher. À 22. Oh. Là tu es un. Lui il met 20, il met 20 et quelques. Si je prends deux coups de lui, je suis mort. Pas le choix à faire. Aïe aïe. Ah mais il a un objet lui. Ah il avait un truc sur lui. Ok, est-ce qu'il y a des trucs intéressants? Ah fait chier ça. Pierre blanche, ça a l'air d'être pas mal. Je pense que ça c'est plus rare que le métal renforcé. Donc je vais mettre ça à la place de la pierre blanche, tant pis. Le tissu ça se vendait bien, le cristal stimulant c'est utile pour les objets, la joaillerie c'est utile pour les potions. Et ça le problème c'est que ça c'est chiant. L'objet reste caché en étant dans le donjon. Dit que le métal enfoncé c'est OP. Après la rune en or je lui ai fait faire un malus. Allez c'est bon je rentre. Je rentre. Et du coup je suis bleu. J'ai troll là. Ah oui, c'est vrai que je peux équiper. Je peux faire ça, équiper ça, merde, équiper ça. Et déjà, ça me donne un loot, un lot. Donc là, je prends quoi? Non. Donc là, j'ai un truc qui est tout seul. Donc c'est-à-dire que ça, c'est un objet aléatoire. Donc je ne sais pas encore ce que ce sera. Les deux autres, c'est des objets aléatoires, mais en quantité de 3 et de 4. Et vous savez quoi? On tente. On tente l'épée brisée, c'est bon, on s'en branle, on en aura d'autres. Et ça, on va prendre. Ah, le volume sur les golems, ça doit être ok. Feuille robuste, c'est bon. Je pense que là, on est bon. Vous savez quoi? On tente comme ça. Peut-être que c'était de la merde. Peut-être que c'était bien. Je n'en sais rien. Genre, vraiment, c'est la découverte. Donc, on découvre tranquillement.